reborn. Wow. Bonjour le monde. Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Ce que je vais vous montrer ici, vraiment, ça fait flipper. Ça fait vraiment très peur. Hein? Wow. Un jeune homme a tenté d'enterrer sa copine dans sa chambre parce que lui voulait s'acheter une grosse voiture. Une grosse voiture. Hein? Il a même creusé le trou. Et il avait prévu enterrer sa copine là-bas. Ce jour-là même. C'est l'information que j'ai reçue. On dit que quand elle est venue, elle est venue lui rendre visite et que le gars voulait la mettre dans le trou, elle s'est mise à crier. Elle a tellement crié que ça allait être les voisins. Eux aussi sont venus pour voir ce qui se passe là-bas. À la grande surprise, ils viennent vous découvrir un énorme trou. Ça a été filmé. Je vais vous montrer ce trou. Vous risquez d'être étonné. Venez, mes frères et sœurs. Nous sommes ici sur un sous-bol, si vous ne savez pas. Et ici, il y a des choses mystérieuses. Si vous n'êtes pas abonné à Bonne Voiture, la coche, parce que ça, c'est extraordinaire. Apparemment, c'est cet homme à l'écran qui aurait fait ça. On l'a attrapé. Sérieux? Et vous voyez ça? Ça, c'est le trou en question. Un très gros trou. Est-ce que vous vous rendez compte que le gars, dans sa chambre, il a creusé un énorme trou. Un trou géant. Et ce jour-là même, il avait prévu utiliser sa copine pour faire un sacrifice. Parce que lui voulait une grosse voiture. Vraiment. Vous n'imaginez pas ce que les gens d'aujourd'hui sont prêts à faire. Quand on voit ça, on se demande est-ce que c'est de la folie? Est-ce que c'est une histoire de possession démoniaque? Qui sait? Tout est possible. Regardez ça. Voici la vidéo qui circule sur Internet. On nous montre tout. Vous voyez ça? Ça, c'est dans sa chambre. Dans sa chambre, on voit un énorme trou comme ça. Hein? Regardez. Vous voyez ça? Vous voyez le trou? Vous donnez votre maison en location. Et regardez ce que les locataires font. Il a creusé un gros trou comme ça. Comme un professionnel. C'est comme s'il allait enterrer sa copine directement dans le trou. En même temps, aujourd'hui, c'était fini pour elle. Regardez. Juste parce qu'il veut avoir une grosse voiture. Ça, c'est quoi ça? Regardez de vos propres yeux. Aïe, 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 aïe. Imaginez. Vous avez l'habitude de rendre visite à votre copain. Tout le temps. Tout le temps. Et aujourd'hui, vous avez décidé de lui rendre visite. Parce que c'est samedi. Voici que vous arrivez là-bas. Et vous trouvez votre tombe. Là où la pauvre veut vous enterrer. Pour sa thune. Et il dit carrément à la fille, ce n'est pas toi qui as m'empêché d'avoir ma grosse voiture. Hein? Donc il est prêt à la gagner pour ça. Ça me rappelle ce que j'ai vu il y a peu de temps. J'ai vu un jeune homme qui a fait des recherches pour avoir un hibou. Et ils sont allés chercher le hibou là très loin dans son pays. Et quand il a reçu le hibou, il a amené le hibou dans un carton et il filme ça et puis monte ça à tout le monde sur les réseaux sociaux. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit, toi le hibou là, ouais pour ta boîte c'était dur. Hein? Bon, je dis là, tu vas voir ce que tu vas voir. On va te mettre dans un canari. On va t'écraser. Hein? Donc ils avaient plus en plus utilisé le hibou. Comme dans les films de Hollywood, dans les films de Nigeria là. Où on tue les, on écrase les bébés dans les moitiés et tout ça. Hein? Jusqu'où la tue. Vous n'imaginez pas ce que dans votre défense secret. Il y a des choses qui existent dans ce monde. Hein? Il y a des trucs, hein, mes frères. Ce sont des connaissances interdites. Regardez. Il avait prévu enterrer sa jolie copine ici, là. Ici, là, dans le trou. Dans le trou, à midi chaud, chaud, là. Et après, quand vous allez le voir,
dans une grosse voiture, beaucoup d'argent. Je vais l'envier. Mais regardez ce qu'il a fait. Même les voisins sont étonnés. Quand les voisins ont entendu les cris de la fille, les voisins tout de suite sont venus. Ils sont venus. Ah, parce qu'eux-mêmes, ils étaient là en train de dire, mais que le jeune gars là, tout elle était là en train de dire que lui, il va conduire dans une grosse voiture ou rien. Il dit que lui peut conduire dans une grosse voiture ou rien. Tout est ce qu'il disait. Tout est ce qu'il disait. Il ne faisait que dire ça. Il ne faisait que dire ça. Maintenant, regardez le résultat. Donc, il était au sérieux. Il parlait sérieusement. Il n'était pas en train de blaguer. C'est un truc hors du commun. Vous voyez même le trou? Vous voyez le trou? Donc, il a préparé ça depuis longtemps. Comme dans le film de Prison Break. Prison Break. Vous voyez ça? Oui, donc, il a prévu ça depuis. Il a vraiment bien creusé. Hein? Dans la maison de tout, tu as creusé un trou comme ça. Donc, il avait prévu enterrer la fille là, juste là, dans sa maison, sans que personne ne le sache. Donc, il va mentir aux parents de cette fille qu'il ne l'a pas vue, ou bien il ne sait pas, alors qu'elle se trouve dans sa chambre, dans un trou. Elle est déjà morte. Imaginez dans quel état se trouve cette fille en question maintenant. Imaginez dans quel état se trouve cette fille. C'est un truc hors du commun, quoi. Et tout le monde en parle. C'est tout fait le tour des réseaux sociaux. Vous voyez ça? On parle de rituel. Vous voyez ça? Un rituel. Qui comprend anglais? Traduisez-moi ça. Regardez. Regardez tout ça. Tout ce que les gens ont écrit ici. Regardez les emojis là. Ils sont justement choqués. Est-ce que moi ça m'a choqué? Est-ce que ça m'a choqué quand j'ai vu ça? Pour vous dire la vérité, la chose que j'ai dit c'est oh, en 2022 encore, vous continuez vos trucs. 2022, vous n'avez pas changé. Et ça, je n'ai jamais vu ça en 2021. C'est-à-dire que les gens ont fait pire en 2022. Pire, des choses graves. Il n'y a pas longtemps. J'ai fait une vidéo pour vous montrer une fille, on a dit qu'elle faisait cette fille avec son copain, quelques temps après, elle a disparu. Pow! Personne ne l'a pu revoir. Le jour où ils l'ont vu là, ils l'ont vu encore. C'est ça. Ils avaient coupé ça. C'était enlevé. Avec certaines parties de son corps. Ah! Où est son copain? Où est son gars? Il a disparu. Le gars s'est préparé à déménager, même à fuir, à quitter l'endroit. Mais on l'a attrapé 12 jours plus tard. 12 jours plus tard, on a attrapé le petit. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va maintenant dire? C'est tout de ouf, hein? Il y a des trucs qui ont lieu et des sacrifices humains ont aussi lieu. Vous voyez ça? Les féticheurs sont mauvais, ils disent des trucs bizarres aux gens. Ils vous disent de faire des sacrifices dingues. Enterrer ta copine carrément dans la chambre. Comment vas-tu la tuer? Est-ce que c'est facile de tuer un homme? Est-ce que c'est facile de tuer un être humain? Les gens ont plus fort aux yeux. Vous, les petites goûts là, faites très attention. Elle dit que son gars était bien. C'est-à-dire qu'il a tout jeté bien. Mais ce jour-là, elle est mauvaise, tout à coup. Vous voyez comment l'argent peut transformer l'homme? Une personne qui est bien, son comportement, il n'y a pas de problème. Et tout à coup, elle change. Ça veut dire que nous devons nous méfier les uns les autres. Nous devons nous méfier. Oui, devez-vous méfier. Si une personne est gentille aujourd'hui, cette personne peut changer demain. Donc, soyez sous vos gardes. Soyez sous vos gardes. Vendez à chacun selon ses œuvres. Ah, c'est un truc de ouf. C'est un truc hors du commun. Bon, je vous dis rendez-vous dans rendez-vous après une bûche en ce moment. Dès qu'il y a des choses hors du commun, je ferai une vidéo pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous nous voyez sur la cloche et soyez prêts. C'est parti. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Waouh! Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nyanskebon 3.
Application Sorbonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Lyon Sorbonne. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.